Bonjour à tous, on va commencer à l'heure et puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure si besoin. Donc je vais vous parler un peu du développement durable et des enjeux dans l'accompagnement des personnes âgées. Tout simplement, on va d'abord... je vais vous faire une petite introduction, vous entendez mieux comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas très bien, parce qu'il y a pas mal de bruit à côté. Donc du coup aujourd'hui, je vais vous présenter... dans une première partie un petit peu la recherche action ADAGE, qui est une ADAGE qui veut dire action développement durable au service du grand âge et qui vise justement à tester une démarche de développement durable dans 13 EHPAD et 2 SIAD en France. Et ensuite on aura un témoignage pour que ce soit vraiment concret. Donc je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Marion Briançon-Marjolais, je suis chargée de mission sur la recherche action ADAGE. Donc ADAGE en fait est un projet qui est porté par la FNACPA, donc Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Âgées. Et il est né, c'est un projet qui est né en 2013, d'une vision de se dire que le développement durable dans le contexte actuel de rationalisation budgétaire, de mixité, de problématiques intergénérationnelles, et en même temps des enjeux réglementaires qui s'ajoutaient au secteur, qui arrivaient avec le Grenelle, avec par exemple un objectif de réduction de 20% de gaz à effet de serre, d'ici 2020. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à s'ajouter, mais qu'une démarche de développement durable avec sa vision globale pouvait permettre d'être un levier d'innovation plutôt que de subir toutes ces contraintes actuelles. Et donc en partant de cet objectif, ils ont créé la recherche action ADAGE. Simplement pour replacer le contexte, quand on dit développement durable, on parle bien des trois piliers, à savoir social, sociétal, c'est celui qu'on va traiter plus en détail aujourd'hui, environnemental et économique. Donc la recherche action traite de ces trois piliers, même si les exemples qu'on va développer aujourd'hui sont plus axés sur le social et sociétal, puisque dans les conférences qu'il va y avoir, on va rentrer, bien demain il y aura beaucoup de détails sur les possibilités dans la gestion des déchets, des achats et d'autres techniques. Donc on va vraiment se concentrer plus sur cette partie sociale, sociétale. Donc cette recherche-action, en fait, on peut se dire quel est l'intérêt du développement durable dans le secteur médico-social. Il est vraiment là à tous les étages. En interne, les établissements sont des lieux de vie, mais aussi d'accompagnement et des lieux de travail. Au niveau du territoire, ce sont des employeurs, des producteurs de déchets, ce sont des personnes qui créent des emplois, qui travaillent avec des structures locales. Et à l'échelle nationale, on est quand même un secteur d'avenir. Donc il y a vraiment un lien et il y a des choses à faire. Donc ADAGE est né de l'ensemble de ces réflexions. Simplement pour placer un petit contexte, donc il y a une partie dans la recherche action, il y a comme on dit une partie recherche, une partie action. Donc le témoignage que vous allez entendre juste après moi est l'un des établissements expérimentateurs. Donc ces établissements travaillent avec nous depuis 2 ans, ça a commencé en septembre 2013 et ça finira en décembre 2015 avec les Assises Génération Durable qui auront lieu le 10 décembre à Lyon. Donc vous êtes invités bien entendu à venir voir les résultats de cette recherche action. Et donc pendant la première année, les établissements et les services participants ont été accompagnés et sensibilisés. On a sensibilisé les équipes de direction, le personnel, les personnes âgées aux enjeux globaux de ce développement durable. Et il y a également eu un diagnostic qui a été fait par un expert en gérontologie, qui s'appelle Gérontim, et par un expert en développement durable et réglementation, qui est le C2DS. Suite à ces deux diagnostics et cette sensibilisation, en fait, on a eu un ensemble de préconisations qui ont été faites à chaque participant. Et en fonction des problématiques internes, en fonction des objectifs existants à chaque structure, ils sont engagés sur un plan d'action d'un an. Et à l'heure actuelle, on les accompagne sur ce plan d'action d'un an. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vraiment brosser l'aspect social, sociétal, mais il faut savoir qu'on travaille aussi sur les achats, l'énergie, les déchets, mais également sur la communication, le management participatif ou l'accessibilité et la notion d'habitat avec les personnes âgées. Donc voilà, c'est très vaste et on prend tout ça en compte. Dans la partie recherche maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est parti avec l'Université Lyon 1 qui nous a accompagnés et a fait une revue de littérature. Donc une revue de littérature, c'est savoir qu'est-ce qui existe au niveau scientifique sur une démarche de développement durable dans les établissements, dans les EHPAD, dans les SIAD, dans le monde entier. Et une fois que cette revue a été faite, ils en ont tiré un certain nombre d'hypothèses qu'ils ont voulu tester à l'échelle nationale à travers une enquête. Cette enquête a été envoyée à plus de 4638 dirigeants d'EHPAD et de SIAD en France et elle a permis, avec un taux de retour très satisfaisant de 12,5%,
sachant qu'on était sur un questionnaire envoyé sur Internet et avec une trentaine de pages. Voilà, c'est quand même très très long. Et on a eu donc un bon taux qui permet d'avoir un petit peu une estimation et une photo de qu'est-ce que le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises dans les EHPAD et les SIAD à l'heure actuelle. Donc je ne vais pas vous présenter la totalité de l'enquête, ce serait trop long, mais simplement donner quelques petites idées sur les aspects justement sociaux et sociétaux. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est que tout le monde en fait. 41% des directeurs qui ont répondu à cette enquête avaient engagé une démarche de développement, enfin de RSE, dans leurs établissements et dans leurs services. Et quand je dis engager une stratégie, ça veut dire qu'elle était vraiment écrite, rédigée et connue. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas de stratégie écrite que personne n'en faisait sinon. Donc par exemple, pour les actions, donc une stratégie c'est global, les actions qui sont mises en œuvre, c'est avant tout des actions sociales. Les actions sociales sont vraiment les premières, c'est un peu la porte d'entrée pour les secteurs. C'est celles qui sont le plus développées et le plus valorisées par les établissements. Viennent ensuite le pilier sociétal et économique et enfin le pilier environnemental. Donc c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que l'environnement, ça serait une béquille, que le social serait une béquille un peu à l'environnement, de loin quand on parle développement durable. Alors qu'on se rend compte que dans le secteur, au contraire, c'est vraiment l'aspect social et sociétal qui va parler et qui va faire qu'on développe une démarche de RSE derrière. Donc c'est quoi une action sociale, c'est quoi une action sociétale? Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble et on verra des actions encore plus concrètes juste après. Pour les dirigeants qui avaient engagé une démarche de développement durable et de RSE donc dans leurs établissements et leurs services, il y avait un très fort intérêt pour le personnel et les personnes âgées. Donc pour le personnel, ça allait se traduire par exemple avec l'amélioration, dans la mise en place d'un accompagnement pour améliorer les compétences, ou encore limiter les accidents du travail, et encore améliorer le dialogue social ou la représentation collective. Pour les personnes âgées, là, c'est vraiment le cœur de métier, j'ai envie de dire, c'était la quasi-totalité des répondants disait respecter l'intégrité des relations avec les personnes âgées, mais aussi prendre en compte leur taux de satisfaction pour améliorer la qualité du service rendu. Donc voilà, on voit ce type d'action. Sur les actions sociétales, on constate un fort intérêt pour les communautés. Plus de 93% des répondants disaient avoir mis en place des partenariats en lien avec le territoire. Donc, par exemple, ça allait être avec des producteurs locaux ou encore avec l'école. Ou voilà. Il y a vraiment une volonté d'ouverture sur l'extérieur de l'établissement ou du service. Donc voilà un petit peu pour les petites actions. On se rend compte que c'est vraiment ça qui porte la démarche dans le secteur. Sinon, au niveau des impacts, on constate vraiment que les impacts qui ressortent par les établissements et les services qui mettent en place ces structures sont des impacts sociaux et sociétaux. Évidemment, il y a des impacts environnementaux et économiques, mais les premiers impacts ressentis, je vous ai fait un petit top 5, si je le passe, sont vraiment liés aux aspects sociaux et sociétaux. Plus de 79% des dirigeants qui ont mis en œuvre des stratégies de RSE constatent le développement d'une bonne image. Sinon, il y a l'acquisition de nouvelles connaissances, qui est également très bien publicitée à 75%, l'amélioration des relations avec les parties prenantes, la mise en valeur des talents, des personnels au service d'objectifs sociétaux, ou encore la proactivité pour résoudre les problèmes sociaux. Donc, bien entendu, ce sont des impacts qui sont ressentis et qui ont parfois du mal à être bien suivis avec de bons indicateurs. Donc là, c'est un peu la faiblesse qui ressort, c'est qu'il faut améliorer la prise en compte et améliorer la finesse des indicateurs pour pouvoir vraiment passer d'un impact ressenti à un impact vraiment mesuré de façon fiable dans tous les établissements et dans tous les services. Mais on voit quand même que l'aspect social et sociétal est prépondérant dans les impacts constatés par la mise en place d'une démarche RSE de responsabilité sociétale. Donc voilà pour ce qui est de la partie recherche et ce qu'on peut tirer de cette enquête nationale qui donne un petit peu une photographie à l'échelle nationale. Mais maintenant, on va passer plutôt à l'aspect très concret avec le témoignage d'un établissement qui s'est engagé dans cette expérimentation et qui a déjà de nombreux résultats. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Valérie Aimé, je suis directrice de l'EHPAD Massy-Villemorin qui est située dans l'Essonne. Je vais vous présenter un petit peu la typologie de l'établissement, vous expliquer aussi pourquoi nous sommes rentrés spontanément dans ce projet Adage. Donc l'établissement de Massy-Villemorin a été créé en 2006. C'est un établissement de 105 lits d'hébergement permanent
avec 14 lits de places d'unités de vie protégée, et un accueil de jour de 10 places et très récemment la création d'un PASA de 14 places. 70% de la population que j'accueille au sein, que nous accueillons, je ne suis pas toute seule, que nous accueillons au sein de l'établissement a des troubles cognitifs plus ou moins avancés. En termes d'effectifs, nous sommes à 52 équivalents temps plein, dont 43,50 ETP directement auprès du résident, donc les ASH, ASAMP, IDE, psychomotricienne, psychologue, médecin coordonnateur. Nous avons adopté depuis 5 ans une méthodologie de soins qui s'appelle la méthodologie de l'humanitude, qui est une méthode d'approche bien traitante et non médicamenteuse, ce qui fait que nous avons structuré l'établissement, je dirais particulièrement, puisque toutes nos infirmières sont référentes d'un étage et ont également des références transversales. On a une infirmière qui est référente humanitude, accompagnée de 4 aides-soignantes qui sont référentes humanitude. On a une infirmière qui est référente nutrition-alimentation avec 4 aides-soignantes ou AMP référentes nutrition-alimentation, etc., etc. Dans l'établissement, chaque infirmière, chaque aide-soignante a une référence transversale particulière et nous leur dédions du temps pour qu'elles puissent travailler ensemble sur leurs références. Alors, comme nous travaillons de cette manière-là, on travaille d'une manière très décloisonnée, avec un management qui est très participatif. Hein, nous avons des réunions assez régulières où chacun peut s'exprimer librement. Voilà, et je ne suis pas la seule à décider, nous prenons toujours des décisions collégiales. Donc, quand on nous a présenté le projet ADAGE au cours d'une réunion de l'AGIRC-ARCO, puisque l'établissement fait partie du pôle sanitaire et médico-social de l'AGIRC-ARCO, j'étais avec ma cadre de santé. Et quand on a abordé l'aspect responsabilité sociale, ça nous a parlé tout de suite. Je vous dis très clairement, je n'y connaissais absolument rien en termes d'énergie, de réduction des déchets, les transports, ça ne me parlait pas du tout. Mais on nous a parlé responsabilité sociale et là on s'est dit il faut qu'on aille dedans parce que nous étions déjà site qualifiant, hein, c'est-à-dire que nous accueillons au sein de l'établissement des jeunes en contrat de professionnalisation. J'ai des tuteurs de formés pour les accompagner. On accueille énormément de stagiaires en termes d'animation à la direction. J'ai un de mes stagiaires directeurs qui est là, qui est présent aujourd'hui. Voilà, donc on essaye d'être un établissement extrêmement ouvert sur l'intérieur. Et comme nos résidents ont du mal à sortir, on essaye de faire venir l'extérieur à l'intérieur. C'est une partie de la philosophie de l'établissement. Donc on s'est engagé dans ce projet ADAGE sans trop savoir en fait à quoi on s'engageait, pour tout vous dire. Voilà, ça a été une découverte complète. Nous sommes, je dis nous parce que je pense que la totalité de l'établissement est absolument ravie d'avoir fait partie de ce projet, de continuer, et on continuera même lorsque le projet sera terminé, parce que ça donnait une réelle dynamique au sein de la résidence. Alors je vais vous donner des exemples concrets. La première chose que l'on a faite, j'ai eu une demande de l'École nationale de pédicurie qui est à Lyon. Donc j'ai eu une demande de la part du directeur de cette école pour accueillir des jeunes qui sont en deuxième année d'École nationale de pédicurie pour qu'ils viennent s'occuper, dans le cadre de leurs études, des pieds de nos résidents. J'avais donc un problème, c'est que j'ai déjà 2 pédicures podologues qui interviennent dans l'établissement. Je ne voulais pas trop marcher sur leur plate-bande, d'autant plus qu'il y en a un qui n'est pas très sympa, donc je n'avais pas trop envie de me prendre le bec avec lui. Cependant, ça me paraissait assez intéressant d'avoir des jeunes en formation qui viennent nous voir et voir ce que l'on faisait au sein de l'établissement. Et on a donc décidé, lors d'un comité de pilotage, que l'on mettrait que ces stagiaires pédicure-podologues s'occuperaient des pieds des résidents, de quelques résidents, mais surtout s'occuperaient des pieds de nos soignants. On a des soignants qui marchent tous les jours. On ne sait pas, moi je ne sais pas, ma cadre de santé ne sait pas, mon médecin coordonnateur ne sait pas s'il n'y a pas des ongles incarnés, s'il n'y a pas besoin de semelles, bref, que sais-je. Donc voilà, donc ce partenariat fonctionne maintenant depuis plus d'un an. On a passé une convention avec l'École nationale de pédicurie. On a donc des jeunes, ils sont 7, ils viennent tous les vendredis matin. Nous avons une liste de soignants qui sont volontaires
et nous leur dégageons du temps sur leur temps de travail, je dis bien sur leur temps de travail, je ne récupère pas le temps qu'ils passent en pédicurie, pour s'occuper donc des pieds des soignants. Alors c'est un partenariat qui fonctionne extrêmement bien, on a le professeur qui les encadre, qui est quelqu'un d'absolument charmant, qui s'est rendu compte il y a 6 mois à peu près qu'on avait quand même un certain nombre de soignants qui avaient besoin de semelles, et donc qui se propose, il est en train de changer son matériel, donc il va nous mettre à disposition au sein de l'établissement l'appareil qui permet de regarder, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, donc ne me demandez pas, mais enfin, ce qui permet de détecter le type de semelle qu'il faut, donc il va nous le mettre à disposition dans l'établissement, c'est lui qui fera les préconisations aux soignants, après à la charge du soignant de décider ou pas de, de continuer sur cette démarche-là. Mais en tout cas, nous, on va leur proposer ce service en plus. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on a mis en place. Ensuite, on a tellement mis d'actions en place que je ne sais plus. Dans notre réflexion, on a accueilli au sein de l'établissement une jeune fille, qui est une jeune fille handicapée, qui est en fauteuil roulant, donc qui est venue en stage chez nous, qui a un bac pro de secrétariat, qui n'arrive pas à trouver de travail, et donc qui est venue dans le cadre d'un stage financé par la MDPH. C'est une jeune fille qui est adorable, qui travaille extrêmement bien, qui est très consciencieuse. Je n'avais pas de poste disponible quand elle est venue faire son stage. J'ai eu un départ à la retraite fin janvier de cette année. Et naturellement, toujours en comité de pilotage, on s'est dit que c'est à elle qu'il fallait proposer ce poste. Elle n'avait pas les compétences requises puisque la personne qui partait à la retraite était gestionnaire de paye. Elle ne fait pas de paye puisqu'elle a un bac pro de secrétariat. Elle a été d'accord, donc aujourd'hui elle est formée en paye. C'est elle qui nous fait toute la paye, qui en fait même un peu plus, puisqu'elle aide aussi ma cadre de santé lors de ses réunions d'équipe. Donc ça nous a paru également naturel de faire appel à elle. Alors je ne vous parle pas des contraintes pour refaire les bureaux, changer de mobilier, bref, qu'elle est vraiment un endroit adapté. C'est encore difficile maintenant, elle est là depuis début février. C'est encore difficile avec certains membres du personnel administratif qui ont l'habitude de me laisser traîner des choses devant la photocopieuse, ce qui fait qu'elle a du mal à y accéder. Donc là, c'est pareil, c'est des petites sensibilisations que je fais auprès du personnel administratif parce que les personnes âgées, ils les connaissent, mais la personne âgée ne va pas dans les bureaux. Donc c'est aussi des petites sensibilisations que je fais avec Jennifer, qui est notre salariée handicapée, pour faire un certain apprentissage de la différence entre un adulte handicapé et une personne âgée handicapée. La personne âgée handicapée a du mal à se déplacer toute seule. Jennifer, elle se déplace toute seule. Elle se déplace très bien. Alors, autre chose qui n'est pas du tout de mon fait, je vous l'ai dit, hein, l'impulsion donnée par la rentrée dans ce projet a donné beaucoup d'idées au personnel. Une des idées qui est née d'un déjeuner en commun personnel administratif d'animation et personnel soignant, c'est de participer à la prochaine course La Parisienne, donc qui va avoir lieu au mois de septembre prochain, qui est une course uniquement réservée aux femmes en faveur du cancer du sein. L'idée est partie comme ça, on m'en a parlé, je ne veux pas gérer ce projet, j'ai déjà assez de choses à gérer comme ça. Donc, je les accompagne financièrement, je recherche des financements pour pouvoir financer, on a financé nos inscriptions, je suis en train d'essayer de trouver des financements pour nos t-shirts avec notre logo. Mais voilà, le personnel s'en est saisi, j'ai 15 personnes aujourd'hui qui sont inscrites officiellement à la course La Parisienne. Je ne suis pas inscrite, moi j'irai les applaudir et je servirai le café et les jus de fruits à l'arrivée. Notre petite Jennifer, notre travailleur handicapé, est également inscrite, donc je suis en train de lui chercher un fauteuil spécial parce qu'il lui faut un fauteuil spécial. Mais voilà, c'est une idée qui est partie des membres du personnel. Ce projet nous a fédérés et a fédéré l'ensemble du personnel à un tel point qu'on a été beaucoup plus vite que ce que je pensais dans le tri des déchets. Hein, parce que j'ai une infirmière qui m'a dit « Mais moi, je connais une association massicoise qui récupère les bouchons. » Donc, on a commencé à récupérer les bouchons. Voilà, on a démarré comme ça. J'en ai une autre qui me dit « Mais moi, les piles, qu'est-ce que j'en fais ?» Donc, on a cherché pour recycler nos piles. Donc, cette espèce de dynamisme
Alors, on était déjà dans un établissement très dynamique, hein, mais cette espèce de dynamisme a permis de fédérer encore un peu plus les équipes et de décloisonner les équipes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je remarque une meilleure communication entre le personnel soignant, le personnel d'animation et le personnel administratif. On était avant relativement cloisonnés, même si on se parlait beaucoup, mais aujourd'hui, il y a une vraie fluidité de la circulation de l'information. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Ah oui, si on a travaillé aussi, alors là, avec les membres du CHSCT, sur la réduction des troubles musculo-squelettiques. Donc, en 6 mois, nous n'avons eu qu'un accident du travail pour troubles musculo-squelettiques. C'était dans des conditions particulières. Donc, ce que l'on a mis en place, c'est que ma psychomotricienne, qui est référente prévention de troubles musculo-squelettiques, a mis en place des ateliers très courts, 15 minutes, 20 minutes maximum, ciblés auprès de certains soignants qui n'avaient pas les bons gestes. Apprendre la bonne hauteur du lit pour faire le transfert à un résident, ça s'apprend. Le résident, il a de l'appui, mais il a du mal à faire son transfert latéral. Il suffit qu'on lui fasse son transfert et après qu'on lève le lit à la bonne hauteur et on l'aide pour sortir du lit. Ce sont des petits ateliers extrêmement courts que fait ma psychomotricienne sur du personnel très ciblé qu'elle va repérer quand elle se promène dans la maison. C'est-à-dire que Elle se promène, elle voit qu'il y a un geste qui n'est pas bon. Alors, soit elle le dit tout de suite si vraiment le soignant se met en danger, soit elle ne dit rien et elle va sélectionner. Donc, on travaille sur la hauteur du lit, on travaille sur l'utilisation des draps de glisse, on travaille sur l'utilisation des sangles, on travaille également sur les fauteuils roulants des résidents, puisqu'on s'est rendu compte, dans le cadre de ce projet, qu'on avait ce que moi j'appelle de la bobologie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plaies d'arrachement parce que le soignant a mal positionné le fauteuil roulant ou parce que la personne peut faire ses transferts toute seule, mais on ne lui a pas bien appris comment le faire. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de pédagogie auprès des résidents et auprès des familles qui, de temps en temps, promènent leurs parents en fauteuil roulant. Donc c'est des petits exemples concrets que je vous donne de ce qu'on a mis en place parce que cette dynamique s'est impulsée dans l'établissement avec le projet ADAGE. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je ne sais plus tellement on en fait. On a mis en place, alors c'est à la suite d'une réunion que l'on avait eue, des réunions régionales ADAGE, on a mis en place un tableau à disposition de tout le monde avec je donne, je vends, je cherche. L'objectif étant, je vais vous donner un exemple très concret, hein, moi j'avais une vieille télé, je ne savais pas quoi en faire, qui était encore bonne, qui traînait à la maison. Je l'ai mis sur le panneau « Je donne ». Donc « Je donne », télévision s'adressait à Valérie Aimé. Voilà, en 2 jours, la télévision était partie. Elle est maintenant chez une de mes salariées qui est absolument ravie d'avoir une télévision. Je précise que c'est une télévision avec un tube cathodique, donc voilà, plus du tout, mais qui fonctionnait très bien. Mes soignantes du PASA, enfin mes deux assistantes de soins en gérontologie du PASA, cherchent en ce moment du carrelage pour faire des ateliers avec les résidents. Donc elles ont mis sur le panneau, je cherche, du carrelage. Donc elles ont déjà une partie de leur carrelage pour faire leur atelier. Ce panneau fonctionnait très bien, je dis fonctionnait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que moi qui l'utilise. Parce que je me suis rendu compte que les soignants s'échangeaient entre eux, sans mettre sur le panneau les choses qu'ils avaient à disposition. Donc ils se font du troc entre eux, sauf que comme ils ne veulent pas, ils ont peur d'aller dire à la directrice, je cherche quelque chose, donc c'est moi qui mets. Je suis la seule maintenant à mettre sur le panneau, je vends, je donne, parce que ça se fait très naturellement maintenant. Donc il y a vraiment... toute une dynamique de connaissance de ses collègues, de solidarité aussi. On l'a vu encore récemment. J'ai une de mes aides-soignantes qui attend un bébé, qui a eu un souci sur son lieu de travail. Il y a eu une énorme solidarité pour la prendre en charge, pour l'accompagner. Il y a un autre soignant qui l'a accompagnée à l'hôpital. Ça se fait maintenant extrêmement naturellement. Je dirais que c'est
on était déjà dans un établissement qui fonctionnait plutôt bien avec une communication qui était bien établie et on pouvait discuter entre nous sans tabou. Mais ce projet a donné une dynamique en plus. Cette dynamique en plus fait que c'est très fatigant pour la directrice d'accompagner tous ces micro-projets, je peux vous le dire, je suis un peu... on travaille maintenant sur des réunions extrêmement courtes, puisque dans le même temps, je suis en renouvellement de convention tripartite, donc il y a un gros boulot. Donc sur tout le projet développement durable, on a scindé le développement durable en trois parties, donc la partie responsabilité sociale, la partie gestion des déchets et la partie gestion des fluides. Et on se fait des réunions très courtes, de pas plus d'une demi-heure, pour voir où on en est dans l'avancée de nos projets. Sinon, on perd notre temps réunionnite et ça ne sert plus à rien. Ce qui fait aussi que c'est très motivant, parce que j'ai toujours un soignant, un résident, une famille, comme on fait toujours sur des mêmes horaires et les mêmes jours, qui arrive à se détacher pour venir, enfin, ou pour venir simplement écouter ce qu'on est en train de dire. Ça permet aussi aux personnes âgées, on a eu des discussions extrêmement intéressantes avec le collège avec lequel, qu'on reçoit une fois par mois. On a fait une thématique résidents et collégiens de 5e, toute une thématique sur la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, comment est-ce que vivaient les personnes que nous accueillons avant, comment vivent les jeunes maintenant. Toutes les personnes âgées ont dit aux jeunes collégiens qui étaient là, arrêtez avec vos téléphones portables. Parce qu'ils ont leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui viennent les voir dans la résidence et qui sont toujours en train de jouer avec leur téléphone portable. Et tous les résidents ont dit, arrêtez de jouer avec vos téléphones portables. Et j'ai une résidente qui dit, mais toi, tu changes ton téléphone portable tous les combien ? Elle lui dit, tous les ans. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais de l'autre ? Il dit, je le jette ou je le garde. Et on se rend compte, les collégiens ont pris conscience de l'énorme gaspillage que nous avions, qui est un gaspillage, je dirais aussi, de concentration et d'énergie. On sait aujourd'hui que on a une capacité d'attention inférieure à un poisson rouge quand on utilise son... C'est une enquête canadienne. Sur des enfants sur des préadolescents et jusqu'à des jeunes adultes entre 12 ans et 20 ans qui ont fait une étude, la capacité d'attention, elle est de 4 secondes. Chez un poisson rouge, c'est 5 secondes. Voilà. Donc, ça m'a fait rire, j'ai entendu ça l'autre jour, ça m'a fait beaucoup rire, ça me faisait penser au dialogue entre les personnes âgées et les collégiens au sujet des téléphones portables. Il n'y a pas que le téléphone portable, il y a tout ce qu'on peut jeter également qui, au sein de l'établissement, les personnes âgées sont extrêmement sensibles à tout le gaspillage qu'on peut faire. Donc, on a trouvé des solutions avec les résidents, on leur a proposé plusieurs solutions. Par exemple, pour le recyclage du pain, qu'est-ce qu'on allait faire du pain ? Donc c'est bête, on a tous les mercredis après-midi l'atelier du chef et tous les mercredis après-midi on fait un pudding ou on fait du pain perdu avec nos restes de pain. Et le reste, on a fait un partenariat avec le Poney Club. Nos résidents sont partie prenante dans ce projet-là. Ils sont également apporteurs d'idées. Moi, j'en parle à chaque conseil de la vie sociale. On a toujours nos thématiques habituelles, plus maintenant la thématique du développement durable. Et on va essayer pendant la semaine européenne du développement durable, où là je peux vous dire que toute la résidence est largement impliquée et qu'ils ont des projets, les soignants ont des projets, je ne sais pas s'ils arriveront à tout mener de front, mais il y a énormément de projets qui doivent voir le jour au sein de la résidence pendant cette semaine-là. On a également inclus les résidents dans cette dynamique. Alors, le développement durable, ça ne leur parle pas trop. Mais réduction des déchets, oui, ça leur parle beaucoup. Éteindre la lumière, ça leur parle aussi beaucoup. Donc, on a beaucoup parlé, on va beaucoup travailler sur les éco-gestes. Je vais également beaucoup travailler avec les soignants sur les éco-gestes. Ce que l'on fait à l'intérieur de la résidence, on le reproduit chez soi. Ça a déjà démarré, puisque j'ai déjà, ils ont mis en place du covoiturage. Moi, je n'ai rien demandé non plus,
mais maintenant j'ai des salariés qui se covoiturent. Hein. On a fait une enquête transport, savoir d'où venaient nos salariés, combien de temps ils mettaient. Alors pour la directrice, c'est très simple, hein, c'est en cas de grève, je sais qui est où, qui a quel moyen de transport pour pouvoir l'appeler pour qu'elle aille chercher sa collègue. Moi au départ, bêtement, hein, c'était purement pratico-pratique. Et donc elles s'en sont saisies et donc aujourd'hui j'ai plusieurs salariés qui font du covoiturage, j'ai plusieurs salariés qui viennent en vélo alors qu'avant ils ne venaient pas en vélo, donc je vais acheter un garage à vélo. Voilà, pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu dans quelle dynamique on a porté ce projet, comment on va continuer à le porter et comment aussi les salariés se sont emparés de cette thématique qui... quand on a démarré, on ne voyait pas bien où on pouvait aller, ça couvre réellement tout le champ de notre secteur d'activité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je travaille mes achats, j'ai des indicateurs développement durable. Quand je travaille mes déchets, j'ai des indicateurs développement durable. Quand je travaille sur ma responsabilité sociale, j'ai des indicateurs, hein, j'ai largement moins de TMS, hein, puisque j'en ai un en 6 mois. Donc, j'ai largement moins de TMS. Je vais avoir 2 référents TMS de formés. Et on arrive à trouver des financements pour mes salariés soient formés. Alors, c'est parfois un peu difficile, mais on arrive toujours à trouver du financement. L'objectif étant, pour l'établissement, que si on s'engage dans une démarche de développement durable, il ne faut pas que ça nous coûte plus cher. Donc, c'est à coût égal, voire si on a des investissements conséquent, parce que là on vient de mettre des panneaux solaires sur la résidence, il faut que j'ai un retour d'investissement qui, je peux vous le dire, va être assez conséquent, puisque telle que la résidence a été conçue, c'est-à-dire en toute électrique, le fait d'avoir mis des panneaux solaires, c'est clair que ma facture EDF, elle va largement diminuer. Donc on est vraiment sur quelque chose de très transversal. Ça améliore la communication au niveau des équipes. Je pense que ça permet aussi aux équipes d'appliquer ce qu'on leur apprend, enfin, la sensibilisation qu'on peut avoir dans l'établissement chez elles, auprès de leurs enfants. Moi-même, personnellement, j'ai changé mes modes de consommation personnelles. Hein. Voilà, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses que je faisais qui n'étaient pas bien du tout. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes. Je dirais que la seule difficulté dans le domaine, non pas du sanitaire, mais du médico-social, c'est qu'on n'est pas du tout sensibilisé à ces démarches-là. Quand je dis nous, c'est l'établissement. Hein, on a énormément appris durant tout ce projet. Je ne savais pas, par exemple, que j'avais une obligation depuis le 2012 de tenir à jour un registre des déchets sortants. Voilà. Donc on m'a dit, vous le faites ? Ben non, je n'étais pas au courant. Donc voilà. En termes de responsabilité, là pour le coup sociale, puisqu'on est plus sur ce volet-là, faire en sorte que mes soignants aient moins d'accidents du travail, aient moins mal dans le dos, aient moins mal aux pieds, soient plus coucounés, entre guillemets, ben ça fait qu'ils sont quand même nettement moins souvent absents, qu'ils sont relativement contents, hein, de venir travailler, que ça donne une résidence qui est extrêmement apaisée, parce que les soignants sont beaucoup plus disponibles pour l'accompagnement des résidents. Alors c'est aussi par les formations humanitudes, hein, qu'on a eues, parce que du coup tout ça, ça fait sens, ça fait lien, ça fait sens. J'ai mes soignants de nuit qui sont en train de mettre en place des animations la nuit pour nos résidents qui sont déambulants ou avec des troubles du sommeil. Je ne leur ai rien demandé. Ça fait partie vraiment de la dynamique de bien-traitance et d'accompagnement dans lequel nous sommes. Très confortable aussi pour une directrice. Hein. Je sais que mes soignants de nuit ne dormiront pas la nuit puisqu'ils vont faire des animations la nuit. Donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde y gagne. Moi, je suis franchement très contente. Je regrette, j'ai une de mes collaboratrices qui devait venir en parler avec moi, mais bon, malheureusement, elle est souffrante. Elle n'a pas pu venir en parler parce que j'aurais bien voulu aussi que vous ayez son témoignage. Mais on est dans les temps. C'est bon ? J'aurais juste un peu de temps pour les questions. Bon, bah, c'est okay. Parfait. Alors, je vais arrêter là parce que sinon, je pourrais en parler encore des heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Juste une question sur ce que vous citiez au début, votre projet Humanitude. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus enfin, j'imagine que c'est autour de la bientraitance oui. des résidents, oui. mais qu'est-ce que c'est précisément ? Alors, il y a donc la méthodologie de soins Humanitude, elle a été créée par Yves Ginest et Rosette Marescotti dans les années 70. Ils avaient été appelés à l'origine par les hôpitaux de Paris qui avaient beaucoup trop d'accidents du travail, en particulier de troubles musculo-squelettiques. Ils sont à la base professeurs de sport. Et donc, ils ont travaillé avec les soignants et ils se sont rendus compte que les soignants faisaient tout à la place des patients. Et donc, n'utilisaient pas les capacités du patient. Donc, c'est parti de là. Ça n'a pas du tout été... Enfin, voilà, ils ont fait leur étude. L'étude a été reprise au Canada. Et donc, ils ont développé toute la méthode au Canada, dans des hôpitaux canadiens, dans des centres de gérontologie canadiens. Et ils sont venus en France. Ils ont créé un institut de formation. Donc, l'objectif est très simple. Hein, verticalité. Donc, on travaille énormément avec nos résidents pour les garder debout les plus longtemps possible. 80% des grabataires en maison de retraite sont fabriqués par l'établissement. Donc moi, je ne suis pas là pour nuire à la santé du résident. Respect du sommeil, hein, on sait qu'aujourd'hui, interrompre le sommeil des résidents parce qu'il y a des changes, parce que c'est très mauvais, il y a des conséquences neurologiques, hein, y compris. Citoyenneté, respect de l'intimité, j'en ai oublié. Enfin, voilà. En gros, on travaille, on a des projets individualisés qui sont extrêmement... fouillés, on réévalue très souvent. J'ai pas de grabataires chez moi, hein. Donc moi les grabataires que j'ai, ce sont vraiment des gens qui sont en fin de vie. Toutes les personnes âgées sont mises debout et l'objectif, il est de calculer leur périmètre de marche et d'accroître leur périmètre de marche. Donc si vous venez à la résidence de Massy-Villemorin, vous verrez très peu de résidents dans les différentes salles de restaurant, en fauteuil roulant. Le résident, il a toujours la possibilité de se mettre debout et de déjeuner ou de dîner sur une chaise normale. Donc on a les fauteuils roulants qui sont en bout de table. S'il faut qu'il fasse 5 pas de son fauteuil roulant à la chaise, il fera 5 pas de son fauteuil roulant à sa chaise. Et 5 pas à l'aller, 5 pas au retour, c'est 10 pas qu'il a fait. Donc l'objectif, il est d'arriver à verticaliser les résidents au moins 20 minutes par jour. Le moment qui est le plus favorable pour la verticalisation de la personne âgée, c'est le moment de la toilette, puisque c'est là où le soignant est en prise directe avec le résident. Donc la toilette chez nous, ce n'est pas seulement pour être propre. La toilette, elle doit correspondre à 3 objectifs. Les 3 objectifs, ils ont été posés par l'infirmière qui a fait son évaluation et par la psychomotricienne. Donc on va travailler sur ce que le résident peut encore faire, sur ce qu'il ne peut pas faire, sur les capacités de récupération qu'il peut encore avoir. Et voilà, on a ce qu'on appelle chez nous une toilette prescrite. Hein. L'aide-soignant sait qu'il doit faire tel type de toilette. Et ça permet aussi de ne pas avoir ce que j'ai trop longtemps connu, à savoir que l'aide-soignante X, elle préfère faire la toilette au lit parce que c'est ce qu'elle préfère, et l'aide-soignante Y, elle préfère faire une toilette au lavabo. Donc la résidente, elle a un coup une toilette au lit, un coup... c'est pas cohérent chez nous. Quel que soit le soignant, on sait le type de toilette que l'on doit faire, et le résident a sa toilette personnalisée en fonction des capacités restantes et de ce qu'il faut que l'on travaille. On est en train de faire exactement le même travail sur tout ce qui est repas. Hein, voilà, donc là, ça fait 2 ans hein, qu'on est sur notre projet de nutrition-restauration. J'ai donc inclus, puisque j'ai re-signé un partenariat avec mon prestataire restauration, j'ai inclus énormément, quand je dis énormément, je leur ai cassé les pieds, avec des indicateurs de développement durable et avec des choses qui étaient incontournables, y compris en termes de responsabilité sociale pour eux, pour mon prestataire. Hein, aujourd'hui, je n'avais pas les attestations de formation du prestataire. C'est obligatoire, c'est dans le contrat maintenant. Donc je sais qui a été formé, quand et sur quel type de formation ils ont été. De même que tous nos intervenants extérieurs, nos sous-traitants,
sont formés un minimum sur cette approche bien traitante et non médicamenteuse. On est en train de faire un gros travail avec mon médecin coordonnateur. Je vous rassure tout de suite, ça ne servira strictement à rien, mais je vous le dis quand même. On est en train de faire un gros travail avec mon médecin coordonnateur sur les rejets de médicaments dans les eaux usées. Donc, parce qu'on fait partie du projet ADAGE, moi j'ai eu toute la liste des médicaments qui étaient des risques de polluants importants sur l'eau, qu'on n'arrive pas à traiter. Alors, au niveau d'un EHPAD, je vous le dis tout de suite, le travail qu'on est en train de faire ne sert strictement à rien. C'est pas parce que nous, on travaille dessus que les poissons de l'estuaire de la Seine ne seront plus asexués. Mais je trouve qu'on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on va au fond de la réflexion, on va au fond de la démarche, et ça permet aussi aux médecins coordonnateurs de sensibiliser ses confrères et consoeurs sur les rejets des médicaments dans l'eau. Alors, je vous le dis, ça ne sert à rien, sauf que nous, ça nous fait plaisir de travailler là-dessus. Et comme on est assez embêtés quand même au quotidien, je trouve que c'est aussi sympa de se faire plaisir quand on travaille. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai trouvé énormément. Mais alors, je pense qu'on, au sein de l'établissement, on trouve énormément de plaisir à travailler sur ces thématiques-là, parce que c'est vraiment des thématiques qui sont parlantes et qui sont parlantes pour tout le monde. Le résident, la famille, nos intervenants, nous. Les soignants, les gens de l'extérieur, des fois je passe un peu pour une extraterrestre auprès de mes collègues, mais quand on fait nos réunions avec mes collègues où on se voit à peu près une fois tous les deux mois, j'arrête pas d'en parler, et donc moi j'ai trois de mes collègues qui sont venus me voir pour dire comment tu fais ça, comment, parce que on sent que dans notre secteur d'activité où on est quand même bien traitant, on essaye d'être bien traitant avec tout le monde, avec nos résidents, avec nos soignants, il faut aussi qu'on soit bien traitant pour les générations futures. Donc c'est aussi des interrogations que l'on peut avoir, nous aussi en interne, sur comment préserver la planète. J'ai une résidente ce matin qui me disait qu'elle dans l'Essonne, il y a un groupe de travail au niveau du Conseil général de l'Essonne qui s'est monté il y a quelques mois et qui fait des campagnes pour aller ramasser au bord des rivières, ce que faisait Leclerc pendant un moment, dont il a fait beaucoup de marketing, pour aller ramasser les déchets qu'il y a. Et donc, elle l'a lu dans le journal de l'Essonne. Et donc, elle me dit, ce serait bien que nous aussi, on y participe pour les résidents, pour les soignants qui voudraient y participer. Donc maintenant, la balle est dans le camp de mon animatrice. Je lui ai dit, on a une demande. Donc, on va essayer d'accompagner la demande. On a un projet piscine qui est en cours parce que j'ai trois résidentes qui voudraient aller à la piscine et on ne peut pas les emmener. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que pour trois résidents, on ne peut pas dégager un soignant qui les accompagnerait? Donc, on est en train de monter le projet piscine. Ce projet piscine, j'en ai discuté avec mes autres collègues, et du coup j'ai deux autres établissements qui aussi voudraient bien intégrer ce projet piscine. Donc on en parle, ça fait des petits, et pourquoi est-ce qu'on priverait nos résidents qui peuvent aller à la piscine et qui ont envie d'aller à la piscine? Donc on va essayer de monter un groupe d'une dizaine de personnes âgées qui sont en capacité, bien évidemment, d'aller à la piscine, de nager et de ne pas se noyer. On va les accompagner. Je vais travailler ça avec deux de mes collègues. Et ça fait boule de neige. On parle, on discute. C'est pas la peine qu'on prenne beaucoup de temps, qu'on fasse des grandes réunions. C'est vraiment des micro-actions. Le tout, après, c'est d'avoir des gens qui, dans l'établissement, vont récupérer ces micro-actions pour faire vivre le projet. Donc il faut bien l'installer, il faut bien l'installer au départ, bien expliquer la finalité. Et très franchement, sur Massy, ça marche extrêmement bien. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisque le temps passe très vite? Et puis de toute manière, sinon on est disponible, il n'y a pas de souci. J'ai une question très opérationnelle concernant le pilotage de vos différents projets. Vous disiez que vous étiez très fatigué et que vous aviez beaucoup de choses à faire. Donc du coup, je me demandais dans quelle mesure les projets sont pris en charge par les autres acteurs de la résidence. Et au niveau du pilotage, vous disiez que vous faisiez des réunions très courtes, ce que j'apprécie beaucoup, c'est une très bonne idée. Dans quelle régularité vous les faites? Qui participe et combien de fois? Alors, on fait des réunions. On a une réunion le mardi après-midi, une le jeudi après-midi, une autre le vendredi matin, donc toujours une demi-heure. Donc j'ai mon comité de pilotage, alors pas tous les membres parce qu'ils ne peuvent pas être tous présents à chaque fois, mais j'ai au moins soit ma cadre de santé, soit l'infirmière référente du micro-projet qu'on est en train de travailler qui sont là,
Et après, on a ce qu'on appelle nos invités. C'est-à-dire que si dans le micro-projet qu'on est en train de travailler, on a besoin de l'homme d'entretien et de l'animatrice, voilà, moi, on a un logiciel hein, sur lequel on a toutes nos réunions et je peux convoquer tout le monde. Donc, elles savent qu'il faut qu'elles viennent sur tel projet pendant une demi-heure. On a à chaque fois des comptes rendus, de toute manière. On a toujours des comptes rendus. Et ce ne sont pas des comptes rendus. Alors, on fait des comptes rendus qui sont maintenant, je dirais, un peu longs. Parce qu'en fait, j'ai un compte rendu par micro-projet. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un compte rendu à chaque réunion. J'ai mon micro-projet, tri des piles, mettons. Donc, on a le micro-projet, on a la date de démarrage. Et après, vous avez dans la foulée tout ce qui a été fait. Et on a à droite une colonne vide avec les actions, qui doit faire les actions et quand c'est fait, les délais et quand c'est fait, est-ce que c'est fait. Et si c'est pas fait la semaine d'après, si c'est pas fait la semaine d'après, on essaye de voir là où ça a bloqué parce qu'on a des points de blocage. C'est moi qui... Je peux faire le compte rendu, ça peut être ma carte de santé, on est hyper polyvalent. Voilà. Donc... C'est au moins 3 réunions par semaine d'une demi-heure. Mais je ne suis pas à toutes les réunions. Hein. Je vous rassure, il y en avait une cet après-midi, je n'y suis pas. Voilà. Par contre, je suis tenue régulièrement informée et c'est surtout sur les points de blocage où je fais des arbitrages aussi quand on n'a pas réussi à trouver un consensus. C'est moi, dans ces cas-là, qui vais faire l'arbitrage. Je laisse toujours le personnel extrêmement libre de s'exprimer. Et moi, je ne viens que cadrer quand il y a des choses réglementaires, des aspects budgétaires, bien évidemment, voire des choses qui dérangent mon éthique personnelle très profondément. Mais il faut vraiment très profondément. On a fini le temps, mais bon, on reste disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, vous avez vu un exemple sur quelques projets, parce qu'elle n'a pas pu tout vous présenter. Mais on a beaucoup d'établissements qui font beaucoup de choses. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur d'autres établissements, n'hésitez pas soit à poser des questions, soit à aller suivre l'actualité sur la page Adage. C'est une page qui est disponible sur le site FNACPA. Vous tapez Adage sur Internet, vous tomberez dessus. Et puis également, si c'est un projet qui vous intéresse, on vous invite tout simplement à venir le 10 décembre à Lyon et ce sera la date de clôture pour ce projet qui permettra de faire ressortir les préconisations, de montrer les beaux projets qui se sont développés sur ces 2 années. Et surtout, ce n'est pas une date de fin, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut continuer une fois que ce projet pilote est fini. Le but, ce n'est pas de s'arrêter à 15 établissements, mais bien de montrer que c'est possible pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.